Retraçons l'histoire de cet homme de Dieu de la République démocratique du Congo, mandaté par l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour une mission bien précise. Il s'agit ici de l'évangéliste Kizemina Kibi, l'agent Oscar. Il a plusieurs casquettes, fidèle téléspectateur, mais dans la trajectoire, nous allons discuter de ce qui est essentiel et surtout de son actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Trajectoire qui reçoit pour vous l'évangéliste Jean-Oscar Kizemina Kibila, congolais de mon pays. Bonjour pasteur, comment bonjour. Allez-vous? Mon Dieu me fait grâce, vous savez, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. Avec tous les péripéties de la vie, nous nous portons très très bien. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Ça, c'est vous. Oui, ça, c'est vous. Franchement, je me disais, dans votre trajectoire, vous avez une particularité. Oui. C'est ça, au fait. Oui. Parle-nous un peu de cette alliance. Mais, en fait, je me suis converti à 19 ans. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et puis, dès le début, Dieu a commencé à m'utiliser très, très puissamment. Par des délivrances, des guérisons. J'étais invité à travers la ville. Et en 89, mon père spirituel a prié pour moi, l'apôtre Amoulokoki. J'avais 22 ans. Et j'ai commencé le ministère à la puissance du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qui a plus de 94 églises à travers le monde. Alors, quand j'ai commencé à faire des croisades, j'ai commencé à voir des choses que je n'ai jamais vues. Des bossus guéris, des paralytiques, des aveugles, des femmes stériles accouchées. Alors quand j'entendais d'autres personnes dire « Ah, Dieu n'agit pas, moi je suis malade, moi pas guéri, j'avais tel problème, il n'y a pas de solution. » C'est là où j'ai eu l'inspiration de dire aux gens « Si ton Dieu est mort, essaye le mien. » Parce que le mien est guéri. Oui, c'est le mien guéri, le mien délivre, le mien béni, le mien élève. C'est par là que cette phrase est arrivée, si ton Dieu est mort, c'est la mienne. Ça, c'est votre identité. Mais qu'est-ce que vous faites pour renouveler cette alliance auprès de l'Éternel pour qu'il y ait la continuité des délivrances ou des miracles? Non, je continue à faire, mais la chose la plus difficile que... j'ai fait beaucoup de croisades à travers le monde. Ça, c'est vrai. Au moins dans 19 stades de football, au Nigeria, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon... Ici au Congo, et puis à l'étranger, il y a des grandes salles comme le Nessé, Wood Green, ainsi de suite. Mais ces croisades me coûtent énormément cher. Et jusque-là, je n'ai jamais eu de partenaire. Je travaille avec des moins et des bons. Mais c'est parce que alors, c'est votre mandat. Ah oui. Et maintenant, vous voyez, comme chez nous ici, pas comme ailleurs, hein, okay. Quand vous, au Nigeria, vous regardez une telle action, on te pousse d'aller dans l'avant. Ça veut dire que si vous avez dépensé 100 000, tu peux avoir peut-être 1 300 000 qui peut te permettre d'organiser d'autres activités. Mais chez nous, si tu dépenses 100 000, tu peux avoir 10 000. Alors il faut encore beaucoup d'années pour économiser et organiser notre action de cette dimension. Et dans l'entretemps, il y a d'autres priorités aussi. Vous avez la famille, vous avez l'église, vous avez autre chose à faire. Alors ça fait qu'il y a une petite léthargie qui s'impose pendant tout ce temps que vous n'organisez pas ces actions. C'est la preuve que vous êtes évangéliste chevronné. Oui, je suis évangéliste. Que l'Éternel vous a donné. Oui, je l'appelle l'évangéliste. Comment il vous paye? Parce que jusqu'ici, il ne vous a pas abandonné. Non, Dieu me paye parce que cette vie que je mène aujourd'hui, je n'ai pas un autre travail que je fais dans la vie, si ce n'est que l'évangélisation. Dieu me paye d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens de bonne volonté qui nous soutiennent aussi, tant soit peu, qui viennent à notre secours. Et nous nous organisons. Vous savez, quand je me suis converti, je pense à 21 ans, j'avais créé mon école. Okay. Le complexe scolaire Kizemina, j'ai créé l'école parce que je suis enseignant. Okay. J'ai enseigné à l'école Daniel Alemba, il y a 2 ans. J'ai enseigné la première année, la deuxième année, j'ai créé mon école en Ngaba. C'est, je crois, la deuxième ou la troisième école privée dans toute la commune d'Ngaba, le début. Alors, j'ai créé cette école. Aujourd'hui, j'ai conçu 3 bâtiments à l'étage et dans la gratuité des enfants étudient gratuitement dans ces écoles-là. Alors voilà, c'est comme ça et que Dieu nous a payé quand même. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu la main de Dieu. Dieu nous a payé. Il a fait sillonner le monde. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Je suis sincèrement reconnaissant à Dieu et lui dire merci. Amen. Et par rapport à ce que vous entreprenez comme aspect de Dieu, comme travail de l'Éternel, est-ce que les enfants de Dieu... En fait, ma question était plus focalisée sur l'impact ou l'objectif de votre évangélisation.
Est-ce qu'on peut connaître le soubassement? C'est Jésus revient bientôt. C'est quoi? C'est la guérison? C'est quoi? C'est la stabilité de famille? Non, moi je prêche la croix. Je prends plus la croix. La croix. Parce qu'à la croix, vous avez tout. Okay. À la croix de Jésus-Christ, nous avons la repentance, nous avons la prospérité, nous avons la guérison, nous avons la foi. Tout, la croix. Sans la croix de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. On ne peut pas parler de la Bible. Si quelqu'un peut définir la Bible, c'est quoi? Je peux dire la Bible, c'est la croix. Et sans la croix, parce que la croix définit deux choses. Okay. La première, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ton intelligence. Mm-hmm. Et la deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toute la Bible. Si tu aimes Dieu, tu vas l'obéir, tu vas le servir. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras pas de mal. Voilà la centrale, ou bien le centre de mon message. Ah d'accord. Et par rapport aux obstacles que vous avez eu à rencontrer lorsque vous étiez encore trop jeune par rapport au ministère, on peut partager? Oui, je pense que le premier obstacle, c'était la souffrance. Hein. Quand j'ai commencé le groupe de prière dans les années 89, la première des choses, je n'avais même pas un banc, je n'avais pas une chaise. Okay. On a commencé à prier avec des blocs de briques. On mettait deux blocs de briques là-bas, vous mettez les papiers, les gens venaient s'asseoir. Mm-hmm. Et on priait sous un manguier. Et le premier banc que nous avons fabriqué, c'était une carrosserie. Okay. Qui était jetée vers un lit ici. Et une dame nous a donné cette carrosserie. On est venu démonter les planches qui étaient dans cette carrosserie pour fabriquer les bancs. Okay. Et on a fabriqué les bancs comme ça parce qu'on n'avait pas de moyens, trop jeune qu'on était, pour aller à Mombele acheter des planches et faire des bancs. On a ramassé une carrosserie. Et de deux, la première campagne que j'ai faite n'avait pas de podium. Une maman a sorti sa table à manger. Et nous sommes montés sur la table. On a commencé à annoncer la parole de Dieu. Et les gens pensent à nous voir aujourd'hui comme si on tombait du ciel. Okay. On a parcouru vraiment un très long chemin. Mm-hmm. Un chemin rocailleux, mais Dieu, par sa grâce, nous a sortis de ce bourbier dans lequel nous nous trouvions. Très intéressant, mais quel est le secret de votre maintenance? Parce qu'actuellement, vous avez assez d'attributions, assez de responsabilités. Il y a également des chocs qui arrivent. Il y a également d'autres personnes qui vivent avec des énergies négatives. Qu'est-ce que vous faites justement pour stabiliser votre personnalité? La première des choses, c'est la prière. Je me confie plus à Dieu, je me mets plus sous ses pieds pour lui dire de moi-même, je ne perds rien. Okay. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la force. Sois avec moi. Et de deux, quand les gens parlent de choses négatives, je positive cela. Okay. Je positive ça et j'avance. Voilà, c'est tout. Vous aviez été également honorable dans mon pays, la RDC. Est-ce que c'était parmi les promesses que Dieu vous avait faites? Oui ou non? Non, la première chose, mon ambition d'enfance, je voulais devenir prêtre, soit devenir homme politique. C'était ça, ma vision depuis l'enfance. Et Dieu a fait grâce que je suis prêtre, pasteur, et je suis en politique, j'ai fait les deux à la fois. Je n'ai jamais regretté d'avoir passé par cette voie-là, parce que je puis contribuer ce que je pouvais faire. Je puis contribuer, j'ai interpellé le ministre au Parlement, j'ai dit intervenir pour le budget et d'autres. Malgré que je n'ai pas pu proposer un projet de loi, mais je puis travailler efficacement et je ne regrette pas. Il y a d'autres personnes qui vous accusent, d'autres pasteurs qui sont passés par le Parlement, vous n'avez rien fait. Ah ben vous savez, quand on acquis son chien de rage, quand on veut noyer son chien, on l'acquise toujours des rages, dirais-je. Donc, on a fait quelque chose. Aujourd'hui, on a la loi du sport. J'étais parmi les auteurs qu'on pouvait avoir la loi du sport. À l'époque, c'est moi qui ai fait la lettre, qui ai fait une question orale avec débat, invitant le ministre Pardon Kaliba, qui est venu au Parlement pour dire qu'on n'avait pas une loi. On a pu faire. J'ai dû interpeller le ministre des Affaires étrangères par rapport aux ventes de nos ambassades qui se faisaient. J'ai dû inviter le ministre de l'énergie par rapport à Kanduka, à ce qui concerne l'eau et puis l'électricité. Okay. À l'époque, j'ai dû aussi inviter, je crois, le ministre de l'Intérieur par rapport à l'insécurité au Kuluma. Et j'ai participé dans l'élaboration du budget et tant d'autres. Vous savez, à l'époque, même si tous ceux des députés que vous voyez, ils ne sont pas tous les auteurs de tous les projets de loi qu'on dépose là-bas. Il y a des gens qui leur proposent ça. Vous l'avez vu avec Chani qui a donné Antilly. Alors, moi, j'avais comme base l'église. Et à l'époque, l'église était hostile au passé de faire la politique. Mm-hmm.
J'étais abandonné à moi-même, je travaillais là où je pouvais m'arrêter, je faisais ce que je pouvais faire. Mais je remercie le Seigneur aujourd'hui que l'Église a compris. Nous avons autant de pasteurs qui sont lancés dans la politique. On commence à comprendre beaucoup de choses. Okay. Là, je dis merci à Dieu de tout ce que je peux faire. Sauf que je le connais. On m'a étiqueté de quelque chose que j'ai toujours regretté. Les gens racontent, l'évangéliste qui a refusé qu'on augmente les salaires des fonctionnaires. Alors c'est une question qui n'a jamais existé en aucun parlement à travers le monde où on demande qui veut qu'on augmente les salaires des fonctionnaires, des policiers, des militaires, des infirmiers, des docteurs. Ça n'a jamais existé. Alors comme les gens savent que la majorité de notre pays est analphabète, ils ont jeté comme ça et les gens ont gobé. Et c'est devenu chanson. Parce que les hommes tellement bien. Il n'est pas passé, il a refusé qu'on augmente les salaires des fonctionnaires, tout ça. Alors je regrette que les intellectuels acceptent. Et en plus, quand vous allez au Parlement, c'est la loi de la majorité. Alors si moi j'ai refusé, les autres acceptent. Pourquoi n'avez pas à majorer les salaires? Vous voyez, c'est ça. En politique, quand vous partez, tous les coups sont permis. Il faut être fort. Quand je vais exister dans un parlement, auquel parlement qu'on pose une telle question. Et on doit avancer, alors nous vous recevons dans la trajectoire justement pour retracer votre histoire. Oui. Sinon, la place de la femme dans l'église que vous gérez. La femme a une place très très importante. Quand vous allez dans le livre de Luc au chapitre 8, du premier verset au cinquième verset, vous voyez que Jésus allait de ville en ville, de village en village, et avait des femmes qui l'accompagnaient, okay, avec l'air bien. Dans nos églises, sans les femmes, l'Église n'a pas de sens. Ce sont des femmes qui nous soutiennent, matériellement, financièrement et spirituellement, mm-hmm, qui organisent des jeûnes et des prières pour nous, et ainsi de suite. Donc, les femmes ont une grande place dans l'Église. Et d'ailleurs, même dans la Bible, mm-hmm, à la résurrection, ça, les femmes, on ne saurait pas que Jésus est ressuscité. On aurait dû entendre que ses disciples sont venus le voler et on l'a amené quelque part. Mais à cause des femmes qui étaient parties, par ce courage des femmes qui étaient parties, et qui ont vu Jésus-Christ, et ils ont annoncé que Jésus est ressuscité, et aujourd'hui nous parlons que Jésus est ressuscité. D'où la femme a une place primordiale dans l'Église. Vous gérez un ministère qui est le ministère de la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voudrions savoir faire le parallélisme, parce que hier, les réveils avaient un impact, où vraiment les réveils avaient son sens, oui, proprement dit. Comparé à aujourd'hui, on sent la froideur et tout ça. Où est parti le feu du réveil? Non, vous devez savoir une chose. La Bible dit qu'il y a un homme qui est parti s'aimer dans son champ. Il a s'aimé le bleu. Et la nuit, l'ennemi est venu à s'aimer livré. Okay. Le matin, quand les travailleurs sont partis, ils ont vu qu'il y avait des livrets. Ils ont fini de dire à leur maître, nous avons des livrets, il faut déraciner. Le maître dit non, laissez-les grandir ensemble. Et bien même aujourd'hui, avec les réveils, il y a des faux qui sont entrés, qui ont étouffé le travail, qui combattent le travail, sont des hommes de Dieu, mais qui ne sont pas des vrais. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, soi-disant, qui sont dans l'occultisme, dans la magie, qui cherchent la gloire de ce monde, de chercher le royaume des cieux. Mais parfois, ils font bien la publicité de Jésus-Christ. Mais non. Mais ils n'en consomment pas. Oui, parce qu'ils ne travaillent pour leur propre gloire. Okay. Ils ne travaillent pas pour la gloire du Seigneur. Jésus n'est pas incapable de guérir un malade pour amener de faux témoignages. Jésus n'est pas incapable de bénir quelqu'un pour aller escroquer quelqu'un pour dire que je suis béni. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que les réveils puissent ternir dans notre pays. Mais nous pensons qu'il n'a jamais été trop tard. Comme nous sommes encore vivants, Dieu nous a fait grâce qu'on soit encore là et nous allons encore remonter ce feu. Et parlons également des scandales qu'il y a dans les églises, ça passe en série. On fait du théâtre dans les églises. La Bible dit que le scandale viendra toujours, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, même au temps déjà, il y avait des scandales. Même au temps des apôtres, il y en a. Et d'ailleurs, le premier scandale fut au ciel. À quel niveau? Où le diable lui-même s'est révolté auprès de Dieu. Okay. Hein? C'est le premier scandale. Où Dieu lui-même est assis dans son trône avec toute sa gloire, toute sa puissance. Mais c'est là où il y a eu un premier scandale. Okay. Et devinez là où Dieu lui-même cherche, il y a un scandale, à plus forte raison où les hommes nous trouvons. Il y en aura toujours. Vous êtes évangéliste de mon pays, sinon il y a l'incrédulité qui monte dans le cœur des enfants de Dieu, fidèles que vous encadrez. Finalement, quelle leçon, ou alors
quel genre de thème, quel genre de prédication donner actuellement, vu que vous avez également le stade des martyrs qu'on va parler tout à l'heure? Bon, la première des choses, cette incrédulité est due de fois à la souffrance que les gens endurent dans notre pays. Et puis, les gens ont été très mal enseignés. Les gens ont cru, dès qu'il s'est converti et donne sa vie à Jésus-Christ, il a des roses devant lui. La souffrance est partie, il a le travail, il a le mariage, il a tout ce qu'il pourrait avoir. Mais après avoir passé 2 ans, 3 ans, on ne trouve pas, il dit bon, on m'a trompé, j'abandonne. Il ne pense également pas à l'éternité. Bon, beaucoup dans nos églises viennent à cause de matériel. Okay. Je le vois quand je voyage en Europe ou bien aux États-Unis, partout ailleurs, ceux qui étaient des fervents, frères, sœurs, en Christ, dans le Seigneur ici. Mais une fois qu'il évolue ailleurs, il a un travail, il gagne un peu d'argent, il abandonne le Seigneur. Il n'est plus. Et je comprends que cette personne est venue au Seigneur à cause de choses matérielles, pas pour sauver sa foi. Et ce qui se passe exactement dans notre pays. Beaucoup de gens prient à cause de la souffrance. Regardez un frère qui n'a pas de travail, il doit à la permanence, il est là. Mais une fois qu'il est béni, vous ne le verrez plus à l'église. Il est parti. Pour lui, son objectif est atteint. Alors que nous pensons que notre objectif, ce n'est pas la terre. C'est un jour qu'on soit dans le royaume de Dieu, auprès du Seigneur, où nous passerons notre éternité. On peut tout avoir sur cette terre, des hommes, des maisons, des voitures, mais un jour nous serons obligés de laisser et de partir mais vite. Salomon dit, pourquoi suis-je? Je travaille pour le vent, voilà je pars, mais vite. Voilà, je pense que je demanderai aux enfants qui sont découragés de ne pas se décourager et de persévérer dans la foi, et le Seigneur va les récompenser. Comment remonter en fait les réveils dans mon pays, dans les églises, parce que vous en avez plus de 90. Oui. Plus de 90 églises dans le monde. Alors, que faire? Quelles sont les techniques? La première technique, c'est l'évangélisation. Nous devons entrer dans l'évangélisation, que nous revenons comme avant. On passait de maison en maison, de ville en ville, évangéliser, et d'organiser des campagnes de masse. C'est aussi campagne de masse quand les évangélistes américains venaient, de Maurice Rolo, de Mahesh Shavda, de Bonke, d'Osborne et tant d'autres qui venaient dans notre pays, qui ont ramené, qui ont rallumé ce feu de réveil. Et depuis un certain moment, ces campagnes de masse ne s'organisent plus dans notre pays. Okay. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'évangélisme, hein. Le temps que nous traversons est tellement difficile. Vous devez louer les stades, louer les instruments, le podium, les affiches que vous devez étaler tout le temps de la ville de Kinshasa. Et tout ça, ça coûte énormément. On n'a pas de sponsors. Et toutes choses font que l'évangile, le réveil, est en train de s'éteindre. Voilà, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous l'évangéliste Kibila Jean-Oscar. Vous savez, c'est un homme de Dieu qui a les mandats de l'Éternel. Voilà pourquoi nous venons, n'est-ce pas, l'interroger. C'est l'émission Trajectoire. Il a une très grande trajectoire. Nous allons en parler partie par partie, mais on va vers l'essentiel. Vous avez un challenge, c'est le stade des martyrs. Vous aviez, n'est-ce pas, triomphé à l'époque avec le stade des martyrs. On n'en parle pas aujourd'hui avec le cas des artistes qui séparent tout ça. Et vous faites le stade des martyrs actuellement, c'est par expérience ou c'est la volonté de Dieu? Non, c'est la volonté de Dieu parce que le jour que le Seigneur m'a dit d'aller au stade des martyrs, je n'avais même pas un dollar dans ma poche. Okay. Je prends Dieu à témoin, je n'avais rien. Parce que l'église, on avait un problème d'achat de parcelles. Nous l'avons d'abord acheté dans les périphériques. Et nous avons pensé acheter un grand terrain où on devait bâtir l'église. Nous nous sommes forcés, on a acheté sur l'université. Quand on a acheté, là où nous prions à Capella, on ne voulait pas nous vendre. Vous êtes natif de Yolo? Je suis venu à Yolo très tôt. Ah d'accord. Oui, je suis venu là-bas. Alors, quand nous sommes arrivés, on ne voulait pas, on a acheté sur l'université. 3 mois, 4 mois après, on vient nous proposer, là où nous sommes à Capella, qu'on est en train de vendre. On a cherché à vendre la première parcelle pour récupérer l'argent acheté à Capella. On n'a pas pu trouver les clients. Nous nous sommes lancés encore davantage à chercher l'argent pour acheter encore à Capella et nous venons d'acheter. Alors on a fait beaucoup d'efforts parce que les deux terrains nous ont coûté moins de 900 000 dollars. Nous avons lancé une campagne d'évangélisation. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de moyens. Si c'est ta volonté,
fait quelque chose. Vous le faites seul ou avec la coopération des églises? Non, la collaboration avec toutes les églises. Mais le financement, sur le plan financier, c'est moi-même. Alors maintenant, j'ai de prier le Seigneur et j'ai vu que c'était la volonté de Dieu. Dieu a commencé quand même à nous ouvrir certaines portes qui nous ont donné tant soit peu. C'est qu'on a dit de faire, on a fait 4 tonnes des affiches en Europe qui arrivent, je pense, d'ici la fin de la semaine. Le conteneur va y arriver avec les affiches. On a payé déjà un jour pour le stade de martyrs. Okay. Et puis on retient des réunions partout à travers la ville. J'ai vu que non, Dieu était derrière ce projet. Parce que lui-même est en train de faire quelque chose pour la réussite. Ah d'accord. Et quelle assurance pouvez-vous donner aux téléspectateurs, aux croyants et aux non-croyants par rapport à la réussite de la particularité de ce stade actuel, ce 2023? Je n'ai pas une assurance de leur donner, mais sauf que je dis que... C'est par rapport à Jésus, ce que Dieu vous a dit. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Ah d'accord. Dieu n'a jamais échoué, il n'a jamais fait... Il n'a jamais échoué, il n'a jamais fait match nul. Okay. Et nous avons un grand avocat Jésus qui n'a jamais perdu un seul procès. Et quand Dieu te parle, Dieu agit et il réalise ce qu'il dit. Je voulais dire aux frères et sœurs qui me suivent que cette campagne va réussir parce que Jésus lui-même sera au rendez-vous. Il sera là au milieu de son peuple. La Bible dit là où deux ou trois qui se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il sera au milieu de nous pour manifester sa gloire et sa puissance au milieu de son peuple. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des délivrances, et il y aura des âmes qui seront sauvées. J'avais une réunion le jeudi, non, le vendredi. J'avais une réunion ici à Lausanne. Pendant que je parlais, je présentais la vision, il y avait même des deux qui s'est levé qui dit, Évangéliste Kizamina, tous me connaissent, je fus un grand voleur, je fus un grand colonna. Et nous partions là où il y a beaucoup de gens pour arracher les sacs. Et nous sommes venus à ta croisade qui était tenue au stade de Tata Raphaël. Okay. Avec l'objectif de voler. Mais quand tu as prêché la parole, tout notre groupe s'est converti. Et voici, aujourd'hui, je suis pasteur, je dis une assemblée. Je dis, waouh, c'est plus que de mieux que je pourrais gagner de voir de tels témoignages. Il y en a combien comme ça à travers le monde. Vous avez également le souci de l'éternité de tous les enfants que vous encadrez. Mais c'est ça. La Bible dit, portez le fruit que vos fruits demeurent. Que les gens, le premier souci, si je n'ai pas le souci de alors je ne peux pas prêcher l'évangile. Je prie l'évangile. C'est qui prêche pour prêcher, hein? Non, pour ces gens-là qui prêchent pour prêcher, ils n'ont pas été appelés. Okay. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais Dieu m'a appelé de prêcher, de gagner les âmes. Par rapport au stade des martyrs, vous savez, actuellement, le stade des martyrs, c'est comme une compétition. Actuellement, il y a des gens qui veulent jouer et puis faire le plein. Est-ce que l'époque que vous avez eu à réussir, est-ce que ça sera pareil actuellement comparé à ce que Fanny Poupa fait? Non, d'abord la première des choses, ce n'est pas les plaies qui comptent, les âmes qui se convertissent. La Bible dit, si un seul pécheur se répand sur la terre, il y a une grande fête dans le royaume des cieux. Les plaies, il y a beaucoup de gens qui en font. Le pape est venu, il a fait le plein ici, Fanny il a fait le plein ici, et tant d'autres. Il y a beaucoup de sectes qui font de plein. Mais ce n'est pas ça l'objectif. S'il y a le plein, gloire au Seigneur. Mais laissez-le pour moi de voir une âme qui donne sa vie à Jésus-Christ. Il dit, à date d'aujourd'hui, je refuse le monde, je donne ma vie à Jésus-Christ. Voilà l'essentiel de mon message. Vous avez plusieurs casquettes dans la vie. Vous avez des écoles, vous avez également, merci beaucoup, vous avez des églises. Vous avez également votre fondation Kizamina et tout ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas devenir écrivain pour écrire juste l'histoire de vos triomphes? Okay. J'ai écrit le premier livre de la poussière à l'élévation. Comment, c'est comme une autobiographie. Comment Dieu m'a pris de la poussière, de néant, ce qu'il a fait. Et là où nous sommes en train de partir. Le deuxième livre, j'ai écrit le mystère de la croix. J'ai expliqué aux gens comment Jésus a inventé à la croix. Comment il a accouché à la croix de Golgotha. Et je l'explique en disant, pour comprendre que Jésus avait accouché, quand une femme veut accoucher, la première chose, il y a une poche de zoo qui s'éclate, et après le sang, et l'enfant sort. Et à la croix, Jésus, quand on a percé les côtes, il y avait de l'eau qui était sortie, et après le sang. Et j'ai expliqué ce mystère-là de la croix, comme vraiment je prêche beaucoup sur la croix, le mystère de la croix, expliquer pourquoi la croix. Jésus a appelé que tout est accompli. Pourquoi à la croix, Jésus à la croix, il y a les ténèbres. Okay. Hein, le soleil s'est obscurci. J'explique à la croix pourquoi quand Jésus a crié, il y a des tombes qui étaient ouvertes, le mort était ressuscité, et le voile qui était dans le temple était déchiré. Okay. Là, je suis en train d'expliquer dans ce livre
le mystère de la croix. Et à quand votre triomphe du stade des martyrs? Mais je sens que ce n'est pas le livre que j'ai écrit. Alors, après, j'ai écrit le troisième livre, Les acquis de la croix. Qu'est-ce que nous avons reçu à la croix? À la croix, Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous a donné le pardon du péché, il nous a donné la guérison, il nous a donné la bénédiction et l'élévation. Et le quatrième livre, là où je parle des 21 principes pour réussir dans la vie. Je parle de la reconnaissance. Aujourd'hui, il ne faut jamais cracher sur l'ami qui t'a mouru. Je parle sur le principe, il ne faut pas suivre ce que les gens disent, mais chercher à savoir qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit dans ce qu'ils ont dit. Et il y a beaucoup de principes, là je parlais. Et ces livres sont vendus à la maison Amazon. Quand vous tapez Évangile Kizamina, le livre, ça va apparaître. Parler de vos triomphes du stade des martyrs et du stade des martyrs actuel pour inciter les jeunes talentueux, les jeunes... Vous savez, dis aux jeunes aujourd'hui, vous savez que je me critique. Bien sûr. La vie, la Syrie, il n'est plus bien, mais ce que nous avons accompli, je ne vois pas les jeunes aujourd'hui qui ont cette force-là. C'est parce que vous la première fois que j'ai fait le stade, j'avais 26 ans. C'est le stade du 24 novembre. Et à 30 ans, je fais le stade Tata Raphaël. À 34 ans, je fais le stade de martyrs. Et là, je fais le stade de martyrs, je fais le stade de Kazala, je fais le stade de Kibasa Maliba, je fais le stade Omar Bongo, je fais le stade de l'Angola, Citadella, je fais le stade de Yaoundé, le stade de Bertois, le stade de Cameroun, de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Voyez ce que nous avons fait. On a fait beaucoup de choses à la fois. Et je crois que, à la grâce de Dieu, aucun des stades où je fais, j'ai échoué. Les premiers jours, ça peut sembler un peu le tumulte. Mais quand Dieu commence à opérer des guérisons, des miracles, les jours ne même pas de place. On peut dire que Dieu vous rajeunit maintenant? De plus en plus. Comme Dieu rajeunit l'aide, hein? Okay. Il nous rajeunit tous les jours, tout ça, et de la force, et tout ça. Et je pense qu'on a commencé hier. Mais nous sommes de très longtemps. Je pense que vous allez impacter comme un fusée, je pense. Je crois. Je voudrais que les jeunes viennent. Je voulais parce que nous faisons la course au relais. Okay. À bâton, je laisse et puis nous grandissons parce qu'à l'époque, je n'avais aucune barbe. Bien sûr. Mais j'ai eu de la barbe blanche. Ouais. Alors, nous avons besoin de jeunes qui veulent venir près de nous, demander des conseils, savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai vu des gens qui viennent de partout ailleurs. Je me suis dépassé, qui sont venus de Pointe-Noire, qui sont venus me voir si je pouvais prier pour eux, leur parler qu'il est mon secret. Ils étaient encore jeunes quand je leur fais la campagne au stade de Pointe-Noire. Okay. Ils m'ont fait au stade Massama Deba de Brazzaville. Alors ils ont dit, pour nous tu es un modèle, est-ce que tu peux prier pour nous? J'ai vu des passés qui sont venus des Zimbabwe, qui sont venus me voir, et dans tant d'autres pays qui viennent. Mais dans notre pays, rare. C'est comme l'étoile, là. Oui, comme l'étoile. Les mages qui étaient de l'eau ont vu l'étoile là où Jésus est né. Mais ceux qui étaient à Bethléem n'ont pas vu l'étoile. Qu'est-ce qui fait votre simplicité? C'est une question qui me trouble souvent. Non, mais vous devez répondre. Il y a quelqu'un... Quand il... Excusez, pasteur, lorsqu'il fait seulement un tour à Paris, il prend des ailes. Lorsqu'il réunit 20 personnes, 100 personnes, il prend des ailes. Alors que vous en avez vécu autant. Et vous aviez été là où les autres veulent aller. Et jusqu'à nos jours, je ne sais pas, il y a encore des choses que Dieu va faire avec vous. Mais cette simplicité, expliquez-nous. Vous savez, un avantage pour ceux qui ont des yeux de l'aide. Un jour, un de mes collaborateurs qui était le directeur technique, il me dit, papa, pardon, je vais te parler. Je dis, tu as un problème. Il dit, il y a un problème qui me dérange, je vais te parler. Alors, je voyais que c'était sur lui, je l'ai même, on est allé même dans ma chambre. Okay. On est assis sur le lit. Il dit, dis-moi quel est ton problème. Il me dit, papa, dis-moi quel est ton secret. Cette simplicité que tu as. Je ne suis qu'un simple agent à la télé là-bas. Quand j'arrive, tout le monde tremble, je bouscule. Mais vous venez, vous êtes assis avec nous, on achète le coca, on prend ensemble, on mange ensemble, on rit et tu pars. Alors que tu es député, tu as fait de grandes choses, tu es le patron de la chaîne de télévision. Mm-hmm. Je dis ma simplicité parce que je sais d'où je viens. Et le principe de la réussite, le vérité principe, je parlais d'un principe. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Et celui qui oublie son passé ne peut pas affronter l'avenir. Je sais que Dieu m'a pris de nulle part, de meilleur, d'une pauvreté indescriptible. Et je suis ce que je suis, alors je ne vois pas pourquoi je vais m'enorgueillir.
Voilà la simple. Voilà. Alors une question avant de parler. Non, j'aimerais que vous puissiez terminer avec les thèmes qui va réunir tous les Congolais, les enfants de Dieu au Stade des Martyrs. Oui. Pour terminer aujourd'hui. Le grand thème, c'est celui-là. Tu as déjà le thème. Ok. C'est ton diamant. Ah oui. Et c'est le mien. Okay. C'est le thème central. C'est comme ça que vous serez rajeuni encore. Oui, oui, c'est ça le plus grand thème. Super. Et une question pour terminer, ça concerne également les serviteurs de Dieu. Actuellement, on revoit des femmes des ministères. Lorsque quelqu'un monte un peu, il prend une femme des ministères. Sa femme est devenue sorcière. Et c'est un peu d'aider les jeunes, les jeunes gens en fait qui sont dans les ministères dans ce sens. Bon, franchement parlant, je n'ai jamais cru aux femmes de ministère. S'il y a des femmes de ministère, on doit avoir des femmes de maison, des femmes de rue, des femmes de l'église, ainsi de suite. Non. La femme n'est qu'une et une seule. Je n'ai jamais cru à ça. C'est parce que vous êtes assis. Voilà pourquoi on essaie de demander conseil auprès de vous. J'ai toujours dit aux gens, cette femme t'a aimé, tu n'étais rien. Tu n'avais pas d'argent, tu galérais. Et cette femme peut-être les parents disent, non, ce n'est pas cet homme que tu veux épouser. Mais la femme a accepté de te prendre en mariage, tu n'étais rien. Et aujourd'hui, tu as fait grâce, tu trouves une femme qui t'aime peut-être parce qu'il t'a vu avec des moyens. Mm-hmm. Une voiture, une maison, un nom, la renommée. Est-ce que cette femme, si tu étais comme celle qui t'a aimé, est-ce qu'elle pourrait t'aimer? Je ne pense pas. Voilà pourquoi je ne crois pas aux femmes de ministère. Voilà, c'en est fini aujourd'hui pour cet entretien avec l'évangéliste Kizemina Kibila. Mais avant tout, un message aux jeunes Congolais qui en fait veulent emboîter vos pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de vous voir juste pour un conseil ou aussi pour une bénédiction. Mais ils ne savent pas comment les faire. Et aux jeunes qui montent comme vous, qui boudent vos passages, qui dites que vos cils, un message pour eux, parce qu'il faut garder la bénédiction. La première chose, je voulais dire aux gens que nous avons une grande activité du 18 au 20 août au Stade des Martyrs. À partir de 12h, les portes seront déjà ouvertes. Donc à partir de 6h, les portes seront ouvertes du stade. Et à 12h, on doit commencer déjà la cérémonie pour qu'on termine à temps et permettre aux gens avec les produits de transport rentrer à temps. J'invite tous les Congolais, j'invite tous les chrétiens, j'invite tous les enfants de Dieu, et même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, de venir écouter cette parole que Dieu a mise dans ma bouche pour son peuple. Du 15 au 17, nous avons une grande conférence, au mois d'août toujours, des hommes de Dieu avant d'aller au stade, qui sera à Yolo dans notre assemblée de Yolo, de 8h à 12h. Il y a un jour le cochon. Un cochon demanda une truie, qui demande à sa mère, dit pourquoi ta bouche est tellement longue. La maman ne pourrait pas expliquer pourquoi, il a dit seulement, quand tu seras grand, tu comprendras pourquoi ma bouche est longue. Aujourd'hui, les jeunes nous critiquent, c'est bon, ils ont raison des fois, de ce que nous avons fait, nous sommes des humains, mais ils viennent sur ce chemin, ils trouvent les difficultés auxquelles nous avons été affrontés. Qu'il prie pour nous, nous avons fait un pas, qu'il prie pour nous, voilà tout ce que je peux dire. La Bible dit que le fort soutient le faible. Que vous êtes fait. Dans l'ensemble, quand vous avez posé la question de savoir, le vieux, bah, c'est là. C'est un téléspectateur qui dit, mais pose-moi une question. Peut-être, nous sommes des humains, nous sommes faibles. Voilà, c'était un plaisir de partager avec vous. Donc voilà, merci de nous recevoir chez vous. Merci. Je crois que prochainement, on va encore y revenir. Justement pour, n'est-ce pas, montrer aux téléspectateurs le combat que vous menez. Et jusqu'ici, vous n'avez pas abandonné l'Éternel. Jamais. Je ne l'abandonnerai jamais jusqu'au dernier jour de ma vie. C'était un plaisir de partager avec vous, fidèles téléspectateurs, cette émission Trajectoire, où nous avons reçu pour vous l'évangéliste Kizemina Kibila à Jean Oscar. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Là, c'est lui. C'est sa particularité et venez goûter ces dieux-là au Stade des Martyrs au mois d'août prochain. Je vous dis au revoir et portez-vous bien. La fois prochaine, je crois que ça sera votre tour. Au revoir.